Cet été, tchoum, apprenez le coréen avec moi. What's your name? And what you gonna teach us today? Korean. Nanette, you're very pretty. Stop, just look at me so I can focus. You're such a pretty teacher. Je pense que Goplédo est amoureux de moi. Et amoureux de la maîtresse. Oui. Quand t'étais enfant, t'étais amoureux de ta maîtresse. Comment tu sais? Waouh, tu sais tout, toi. Chapitre 1, la semaine. Odette, est-ce que tu sais en français les jours de la semaine? Oui. Eh ben. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Très bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire... Aujourd'hui, ça veut dire lundi. Et ce que je voulais vous dire, à chaque fois on met à la fin Yoil et aussi Wall, ça veut dire la lune. Et je vais vous montrer comment écrire. Alors les élèves, écrivez ça lundi, c'est ça en coréen. Maintenant, je vais vous montrer mardi. Hwa yo il. Hwa, ça veut dire le feu. Et aussi hwa. Ne oubliez pas tout le temps yo il à la fin. Je vais vous montrer comment écrire Hwa-yo-il. Mettre O-A, ça fait O-A. Alors, je vais mettre O-A dans Hwa. D'abord, le hi-e pour faire. Après, on met O-A. Parce que j'ai déjà dit, O-A, ça fait O-A. Hwa-yo, bien sûr, yo, tout le temps, yo, il. Ça s'écrit comme ça. Maintenant, je vais vous montrer comment dire mercredi et écrire. Mercredi, c'est Su-yo-il. Su, ça veut dire l'eau. Et je vais vous montrer comment écrire. Il n'y a pas de socle, hein. Ça c'est mercredi. Je vais dire jeudi. Jeudi c'est mokyo-i. Mo, ça veut dire arbre. Je vais vous montrer comment écrire. Maintenant, je vais dire comment dire vendredi. Gomyoi. Gom, ça veut dire l'or. C'est drôle parce qu'à chaque fois, ça veut dire ça représente un mot. Et maintenant, je vais vous montrer comment dire samedi. Samedi, laisse-moi voir dans mes notes. Elle en voulait. Désolée. Désolée. Maintenant, on va faire samedi. Samedi en coréen, c'est To-yo-il. To-yo-il. Maintenant, on va faire samedi. Samedi, c'est To-yo-il. Et To, c'est la terre.
et je vais montrer comment on écrit Toyoi. Et maintenant, je vais vous montrer comment on dit dimanche en coréen. Il-yo-i. Il, ça veut dire le soleil. Et je vais vous montrer comment écrire aussi. C'est le même il. Yo. C'est drôle parce que là, il y a deux il et là, il y a un yo. C'est tout même, sauf que là, il y a il et il. Thank you.